on se rend compte, on essaie de faire quoi que ce soit ici, cette question-là, on la trouve toujours sur notre chemin, comme étant ce problème non réglé qui nous empêche encore aujourd'hui d'exercer une autonomie politique, une vraie souveraineté populaire, une souveraineté qui appartienne réellement au peuple. Je m'appelle Éric Martin, je suis professeur de philosophie au Collège Édouard Montpetit. Je participe à l'Université d'été des Nouveaux-Cahiers du socialisme. Je m'occupe plus spécialement d'un axe qui s'appelle l'axe Marx. L'objectif, au fond, c'est de revaloriser l'étude de la théorie et de la pensée de Marx aujourd'hui et de voir quelle pertinence elle peut avoir pour penser les mouvements sociaux et l'émancipation au Québec. On a vu un mouvement social extrêmement important au Québec l'année dernière, mais en même temps, on ne peut pas dire que dans l'immédiat, le Québec ait profondément été chamboulé au niveau institutionnel ou politique, c'est-à-dire que c'est encore les bonnes vieilles institutions et idées néolibérales qui gouvernent, malgré la puissance de la contestation. Il y a encore une sorte de difficulté à débloquer notre société. Et c'est un temps actuellement où on a peut-être plus besoin que jamais d'avoir des espaces de réflexivité dans lesquels on peut essayer de repenser nos pratiques militantes, mais aussi, plus globalement, la société et la possibilité de faire société au Québec d'une autre façon que celle proprement barbare dans laquelle nous enfonce le capitalisme aujourd'hui. Nous allons tenir, lors de l'Université d'été des NCS, un débat sur la gauche et la question nationale. C'est une question qui est épineuse, une question qui est dans les pattes des mouvements sociaux québécois depuis plusieurs décennies. Pourquoi la poser à nouveau aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que, d'abord, on n'a pas fait de retour profond du problème du rapport entre le marxisme et la question nationale. C'est une question qui a été laissée un peu en suspens ces derniers temps et je pense qu'il y a un travail de mémoire à faire. Il y a un travail de réflexion sur la tradition, le passé, pour se le réapproprier, comme il y a eu un défaut dans la transmission de ce passé-là. Donc, il y a un rapport au passé et il y a aussi une question, peut-être qui est plus d'actualité, qui concerne également l'avenir. On se rend compte aujourd'hui que le capitalisme est en train de détruire les sociétés partout sur la planète, de détruire la culture partout sur la planète. Et donc, plutôt que de voir le capitalisme uniquement comme un problème d'exploitation économique, il faut le voir également comme étant une aliénation, une dépossession du rapport à la société. C'est ce que disait Marx, c'est-à-dire que dans le capitalisme, on est privé du rapport à ce qu'il appelait l'être générique ou la communauté de l'humanisme achevé, c'est-à-dire la Gemeinwesen, l'humanisme réel, disons, concret, c'est la société. On est né pour le bonheur. Le but de la vie, c'est le bonheur, je veux dire. Puis alors, c'est en commun qu'on est pris pour faire ça. On est un animal social. Ils me font chier, les gars des chambres de commerce, quand ils disent « c'est l'individu, puis l'excellence, puis c'est de la merde, ça ». Ça, c'est la loi de la jungle, ça. C'est comme ça qu'ils nous élevaient dans les collèges classiques des bons pères, puis des frères. Laissez-vous pas piler ses pieds, puis apprenez à jouer des coudes. Le struggle for life qui nous disait en anglais. Donc, le capitalisme, c'est le système qui nous empêche de faire société et de nous approprier notre culture. Et donc, penser aujourd'hui comment on peut articuler question sociale, question nationale, marxisme, indépendance, ce sont des questions extrêmement importantes qui se posent si on veut justement dépasser l'état de blocage dans lequel se trouve notre société et pas simplement se limiter à contester l'ordre établi et à chaque fois assister à un retour à la normale comme on l'a vécu l'an dernier. Maintenant, ce qui se pose pour nous, c'est d'être capable d'essayer de penser une nouvelle synthèse par laquelle on peut dépasser l'état actuel du blocage de la société québécoise et instituer ici une société d'autonomie politique et une société socialement plus juste. C'est sûr qu'il y a des gens au Québec, on peut penser à François Legault ou d'autres gestionnaires comme ça, qui prétendent que la seule chose à faire maintenant, c'est d'administrer l'économie et d'oublier toute autre forme de considération. Concrètement, on pense pouvoir créer des emplois de qualité, améliorer le pouvoir d'achat des Québécois, améliorer la confiance. C'est de ça que veulent entendre parler les Québécois, pas de souveraineté du Québec. On se rend compte aujourd'hui que le capitalisme, c'est un vaste mécanisme qui, partout sur la Terre, arrache aux humains la possibilité d'avoir un monde commun, de faire communauté, de faire société.
Au Québec, la question sociale et la question nationale sont, on pourrait dire, dialectiquement liées. C'est-à-dire qu'elles ont toujours été inséparables. Et même quand on cherche à l'ignorer, cette question-là refait constamment surface pour toutes sortes de raisons, culturelles, juridiques, politiques. On se rend compte, on essaie de faire quoi que ce soit ici, cette question-là, on la trouve toujours sur notre chemin, comme étant ce problème non réglé qui nous empêche encore aujourd'hui d'exercer une autonomie politique, une vraie souveraineté populaire, une souveraineté qui appartient réellement au peuple. Alors, cette question est loin d'être dépassée, parce qu'à l'heure où on voit la destruction de l'environnement, ça, tout le monde pense l'écologie aujourd'hui, mais on devrait penser aussi la crise de la culture, pour parler comme Hannah Arendt, que le capitalisme amène dans son sillage, et penser que cette crise de la culture, elle nous invite à revaloriser à de nouveaux frais ce que c'est que le lien social. Évidemment, il ne s'agit pas de conserver la société telle qu'elle est. Il y a bien sûr des injustices, etc. Mais de penser la liberté comme étant d'abord quelque chose qui ne se vit pas seulement individuellement, mais qui est d'abord l'attribut d'une collectivité, d'une communauté, d'une société, et de le penser justement contre cette fausse société en toc que nous propose le capitalisme. Je pense qu'au Québec, il est extrêmement difficile d'éviter de lier dialectiquement les deux questions de l'émancipation nationale et de la question sociale. C'est-à-dire qu'on aurait beau vouloir penser seulement le socialisme au Québec, tout de suite, on va se heurter à des questions d'ordre politique ou culturel qui vont nous obliger à enraciner ce socialisme-là dans une communauté politique vivante. Ce serait abstrait de penser, au fond, qu'on est seulement des ouvriers ou même des membres de l'humanité. C'est bien vrai que nous sommes des travailleurs, des humains qui font partie de l'humanité universelle, mais ce serait oublier qu'on a toujours accès à l'universel seulement à travers ce qu'on appelle la médiation d'une communauté politique particulière. De la même façon que j'ai beau être un individu, c'est quand même à travers l'appartenance à ma famille, à mon quartier, à une série de médiations. Je ne suis pas relié au tout directement, j'existe à travers un ensemble de médiations qui me relient à la totalité. Et donc, penser la société comme cette totalité vivante à libérer, ben ça évite justement de penser la libération uniquement, d'abord, d'un point de vue seulement individuel, ou même d'un point de vue de classe, comme étant l'appropriation du contrôle des leviers économiques, ce que pensait classiquement, disons, le marxiste traditionnel. Il faut s'approprier les moyens de production, ça s'arrêtait là. Alors, il faut aller beaucoup plus loin, il faut se réapproprier la possibilité de faire société. Et au Québec, ça exige de remettre sur le tapis cette question qui est le lien, l'articulation entre l'indépendance et le socialisme. Socialisme et indépendance, c'est le slogan des années 60 de la revue Parti pris et autres mouvements socialistes indépendantistes. On ne l'entend plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est une question à laquelle il me semble qu'il faut réfléchir, parce que je ne vois honnêtement pas, en dehors de ces deux mots-là, socialisme et indépendance, ce qui peut advenir de bon pour le Québec dans les prochaines décennies.